Hélène a bien présenté la question de l'autochtonie des Arméniens. En fait, souvent on dit que les Arméniens seraient une minorité religieuse. Jusqu'à 10 ans auparavant, on disait que les Arméniens étaient une minorité religieuse à Constantinople. Et puis, depuis 10 ans, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. On s'aperçoit qu'il existe encore des Arméniens en Arménie occidentale et en Anatolie. Alors, bien entendu, tous ces Arméniens qui existent en Anatolie et en Arménie occidentale, et je sais très bien qu'il y en a aussi parmi vous, eh bien, ne sont pas tous chrétiens. Alors, ils sont quoi? Alors, il y en a qui sont convertis à l'alévisme, il y en a qui sont convertis à l'islamisme, il y en a qui ne sont pas convertis du tout. Et donc, en fait, cette population, est-ce qu'on a le droit de dire que ce n'est pas une population arménienne? Non, on n'en a pas le droit. Cette population qui, elle, au fond d'elle-même, sait très bien qui elle est une population arménienne. Et nous ne pouvons pas dire que les Arméniens, en Arménie occidentale et en Anatolie, c'est une minorité religieuse, encore moins une minorité ethnique. Nous disons que les Arméniens, c'est une nation autochtone. Qu'est-ce que c'est qu'une nation autochtone? Eh bien, c'est une nation, déjà, qui a une histoire de plusieurs milliers d'années sur un territoire. Et vous voyez ce territoire, en fait, presque naturellement, on le retrouve en blanc sur cette photo satellite, et enneigé. Et c'est principalement ce qu'on appelle le plateau arménien. C'est-à-dire une situation géographique qui se situe entre 1500 et 2500 mètres sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. Et c'est de là qu'on vient. Et c'est de là qu'on a appris à boire la source. C'est de là qu'on a appris à rentrer dans nos forêts, à marcher dans nos montagnes, à développer des expressions culturelles, à développer des savoirs traditionnels, que beaucoup d'entre vous ont encore au fond d'eux-mêmes. Quand on parle de boire la source de nos montagnes, nous savons ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'au fond de nous-mêmes, il y a quelque chose qui parle de profond. C'est ça l'autochtonie. C'est-à-dire que nous savons que cette eau, ces forêts, ces montagnes, cette culture, quand bien même on a vécu l'islamisation, quand bien même on a vécu d'autres phénomènes qui nous coupent de nos racines, ces racines, elles vivent encore au fond de nous-mêmes aujourd'hui. Et ceux qui nient aux Arméniens cette autochtonie, d'abord, ce sont ceux qui ne peuvent pas nous comprendre, c'est-à-dire qui ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons, nous, à l'intérieur de nous-mêmes, et donc, bien entendu, ils ne peuvent que nier parce qu'eux-mêmes ne le vivent pas. Donc ce sont ces ressentis, ce sont en fait ces vibrations qui vivent au fond de nous-mêmes et qui sont liées à notre environnement naturel. Et nous le savons bien, si, après avoir même vécu un génocide, et je répète, de 1894 à 1923, ici on ne parle pas du génocide de 1915, il faut bien comprendre que le génocide des Arméniens, de cette population autochtone, a débuté par le massacre de Sassoum en 1894, organisé par le sultan Abdulhamid II, au moment où il a mis en place ce qu'on appelle les régiments hamidiens. Et ça, les Arméniens, en tout cas ceux qui sont liés à leur terre, le savent très bien que le génocide des Arméniens, et pas le génocide arménien, parce que si on qualifie le génocide d'arménien, on dénature le terme génocide. On le dénature. C'est le génocide des Arméniens, c'est-à-dire le génocide du peuple arménien, c'est-à-dire le génocide d'une population. Et ce génocide, eh bien, il a duré jusqu'en 1923. Il s'est même poursuivi après, sur Dersim ou sur d'autres régions de l'Arménie occidentale. Mais jusqu'en 1923, c'est-à-dire par trois gouvernements successifs turcs, le génocide s'est appliqué sur la nation arménienne autochtone d'Arménie occidentale. Et voilà comment, voilà l'histoire. De toute façon, vous la connaissez.
Seulement, l'histoire, on vous la falsifie. C'est-à-dire qu'on vous, on vous explique des choses que vous ne comprenez pas. Vous connaissez la réalité historique, mais on vous la présente autrement. C'est-à-dire qu'on continue un processus, on va dire, de déracination. C'est-à-dire qu'on on vous enlève, on vous coupe de vos racines, systématiquement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Donc, pourquoi on a détruit une population autochtone en Arménie occidentale ? Eh bien, pour la spolier, pour lui enlever ses terres, ses territoires et ses ressources, c'est-à-dire toutes nos ressources. C'est-à-dire que nous, on parle d'un territoire dont on est en fait un enfant, dont on est en fait directement lié, et on nous a coupé toutes nos ressources, on nous a spolié tous nos biens. Quand on parle de ressources, de biens, quand on parle de territoire, on parle aussi de civilisation. C'est-à-dire que la civilisation arménienne, sur les territoires d'Arménie occidentale, c'est une civilisation de plusieurs milliers d'années. Et ça, aujourd'hui encore, après tout ce qu'on a vécu, on peut retrouver des traces de cette civilisation. Et le monde entier le sait bien. Cette civilisation, elle vous appartient. C'est votre civilisation. Ce territoire, c'est votre territoire. Cette culture, c'est votre culture. Alors, on peut reprendre, bien entendu, beaucoup d'arguments qui présentent l'ancienneté de la nation arménienne sur ces territoires. Et là, on parle de 2000 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait quoi ? Ça fait 4000 ans. On parle du royaume d'Urartu et de Nairi. Bien entendu, on parle donc d'une population qui a une histoire de plusieurs milliers d'années. Et bien entendu, notre travail aujourd'hui, du Conseil national, c'est de pouvoir vous transmettre, s'il vous plaît, le portable, de pouvoir vous transmettre donc toutes ces connaissances, tout ce fruit, tout ce travail qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons encore penser à nous réunir et à défendre nos droits ensemble. Sur ces territoires, bien entendu, que d'autres populations aujourd'hui existent. Mais dans tous les États et dans tous les pays, les choses fonctionnent de la même façon. J'y reviendrai tout à l'heure.